Bonjour. Avez-vous connaissance de la réforme du lycée sur le baccalauréat? Pas trop. Ce que je sais, c'est qu'il y a des blocages, mais je ne sais pas pourquoi déjà. J'ai eu juste une information que je ne suis pas sûr que ce soit vrai. C'est un de mes camarades qui m'a parlé de... En fait, le bac pro qui serait réduit déjà de 2 ans, qu'il est acquis à 3 ans et qui doit être réduit à 2 ans. Et j'ai encore suivi un autre truc disant que le bac pro devait être annulé. Donc je ne sais pas si l'un des deux c'est vrai ou c'est pas vrai, ou s'il y a autre chose après. Bah moi personnellement, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Et en fait, on ne sait pas quoi en penser. Et comme on voit les gens manifester, dire que c'est pas bien, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que c'est pas bien, mais concrètement, il n'y a pas une bonne explication de toutes les réformes qui ont été faites, genre Parcoursup, la réforme du lycée, etc. Justement, le problème avec la réforme du lycée de 2021, c'est qu'on n'a pas assez d'indications sur cette réforme, que ça se déroule un peu à l'aveugle, en fait, que... On ne nous donne pas assez d'informations. On sait qu'il va y avoir une réforme, mais on ne sait pas la réforme contre quoi, la réforme, qu'est-ce qui va changer. On sait juste qu'il y a des choses au bac qui vont être plus positives, comme par exemple le contrôle continu, ça peut aider certaines personnes, parce qu'on n'est pas forcément tous bons le jour de l'examen. Mais par contre, il y a des choses qu'on y va un peu à l'aveugle, et c'est ça qui est dommage, parce qu'on aimerait bien en savoir beaucoup plus, en fait. Le but ici, c'est pas de donner notre avis sur la réforme en cours, mais de vous donner toutes les infos qui vous seront utiles pour votre scolarité. C'est parti. À la rentrée 2019, le lycée va changer, notamment avec l'apparition des enseignements de spécialité en première à la place des séries. Et même si tout ça se sera mis en place l'année prochaine, c'est dès maintenant que ça vous concerne, car ce sont les élèves de seconde de cette année qui vont choisir leur spécialité de l'année prochaine. Et si jamais vous ne savez pas encore ce que c'est, je me permets un petit rappel. Ce sont des cours que vous allez choisir et que vous allez suivre en première et en terminale. Il y en a plusieurs, comme les mathématiques, la philosophie, les langues étrangères, etc. Et il y en a aussi des moins courants, comme les arts, sciences de l'ingénieur, biologie, écologie, etc. Mais il y en a plein d'autres, hein, toute la liste est en description. Mais attention, les moins courants ne seront pas disponibles dans tous les lycées. I'm going to learn jiu-jitsu. Pour la filière technologique, vous choisissez votre série en fin de seconde et du coup, votre série définit vos spécialités. C'est pour ça qu'il y a moins de changements et de choix à faire. Pour la voie générale, en première, vous suivrez 3 spécialités de 4 heures par semaine. C'est celle-là que les élèves de seconde vont devoir choisir cette année. Et parmi ces 3-là, vous en garderez 2 pour la terminale qui feront 6 heures par semaine. 3 enseignements x 4 heures par semaine x 4 semaines par mois, ça fait 48 heures. Tiens, je vais peut-être prendre maths comme spécialité en fait. Du coup, les choix que vous ferez cette année, ils seront hyper importants car ce sera dans ces 3 spécialités de première que vous pourrez choisir les 2 de votre terminale. Et là, vous vous dites, mais comment choisir ces spécialités? Sur quels critères? Pourquoi le ciel est bleu, sauce blanche ou samouraï? Alors si vous vous posez toutes ces questions, le mieux ça reste d'en parler avec vos profs. Vous avez toute l'année pour y réfléchir, vous renseigner et vous pourrez même changer d'avis. On s'empêche. Un peu d'haricien? Je vais prendre sauce blanche finalement. N'hésitez pas à demander dans votre lycée des informations sur les enseignements. Il y a d'ailleurs un site de l'ONICEP qui vient de sortir pour vous aider dans vos choix d'orientation. Donc forcément, il y a aussi les classes de première et terminale qui vont un peu changer puisqu'elles seront composées en fonction des enseignements de spécialité choisis. Si jamais votre lycée ne propose pas la spécialité que vous voulez, il existe plusieurs solutions. Soit vous changez de lycée à la fin de la seconde, soit deux lycées proches se mettent d'accord et vous suivez seulement votre enseignement de spécialité dans un autre lycée. Et si jamais on ne peut pas trouver de solution proche, certains cours pourront être suivis à distance avec le CNED par exemple. Let's go. Voici un petit récap pour ce nouveau bac. Le contrôle continu, c'est 40% de la note finale, avec 10% qui viennent des bulletins scolaires, de première et de terminale, et 30% des épreuves communes, 2 séries en première et 1 série en terminale. Les épreuves finales, elles, c'est 60%, avec 1 épreuve anticipée en première, français écrit et oral, et 4 épreuves finales en terminale, avec 2 enseignements de spécialité, 1 épreuve de philosophie et 1 oral final. Et je vous conseille d'aller faire un tour sur le site quandjepasselebac.com, sur lequel il y a toutes les infos.